Georges Chicoty en visite en France. Programme chargé pour le ministre des Relations extérieures angolais en visite en France pendant quelques jours. Jeudi, il s'est longuement entretenu avec le ministre de l'Intérieur français, Claude Guéant. Monsieur Chicoty a déclaré vouloir relancer la coopération entre les deux pays, considérant la France comme un des grands partenaires de l'Angola. Le soir même, les représentants de la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique australe, étaient reçus à l'ambassade. L'Angola est, depuis le mois d'août 2011, président de la SADC. Tous les membres de la SADC sont égaux, ils ont le même poids, ils ont une charte, un règlement que tout le monde respecte. Donc tous les pays sont égaux, que ce soit grand, petit, riche ou pauvre, au niveau de la SADC sont égaux. Donc l'Angola n'a aucun rôle particulier au niveau de la SADC. Il est plutôt un des acteurs, un de ce pays qui doit obéir, qui doit faire respecter ses obligations, ses engagements au niveau de cette institution qui s'appelle la SADC. Vendredi, ce sont les ambassadeurs africains qui étaient cette fois-ci accueillis par la délégation angolaise. Nous provenons d'un même continent, on a le même problème et souvent on cherche à partager et entendre. Et là, j'étais en train de les expliquer pourquoi j'ai été en France et l'importance de que l'Angola attache à cette visite. Et aussi parce que je crois que l'information ou l'échange de points de vue, c'est aussi un moment enrichissant. Le ministre angolais a notamment abordé les défis et les enjeux que vit le continent en ce moment. Une pensée toute particulière a été émise concernant la situation au Mali et le drame des explosions de Pila au Congo le 4 mars dernier. La visite officielle du ministre angolais se termine vendredi.